بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 5 sur le cours des nombres rationnels, produits et quotients. Niveau 2e année collégien Royaume du Maroc. Complété par positif ou négatif. Le produit moins 9 sur moins 5 fois moins 7 sur 11 et vous avez ici des pointillés à remplir. Puis le produit moins moins 13 sur moins 25 fois plus 48 sur moins 5 et vous avez ici des pointillés. Le produit moins 7 sur 8 fois moins 12 sur 17 fois 6 sur moins 5 et vous avez ici les pointillés. Le produit moins moins 4 sur 7 fois moins moins 2 sur moins 3 fois ici plus 11 sur 19 et vous avez ici des pointillés. Prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez compléter ces expressions mathématiques. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va commencer la réponse ensemble. Réponse. Complétant par positif ou négatif. Voyons ce premier produit. Moins 9 sur moins 5 fois moins 7 sur 11. Moins 9 sur moins 5. Comment il est? Positif ou négatif? Oui, ce nombre rationnel est positif parce que le numérateur et le dénominateur ont quoi en commun? Oui, ont le même signe. Donc, ce nombre rationnel est positif. Moins 7 sur 11. Comment il est? Oui, il est négatif. Et le produit de deux nombres de signes différents, il est comment? Oui, il est négatif, bien sûr. Donc, je vais noter ici négatif. Passons à autre exemple. Moins moins 13 sur moins 25. Ce nombre rationnel, est-ce qu'il est positif ou négatif? Évidemment, il est négatif. Parce que vous voyez ici, moins 13 sur moins 25, c'est 13 sur 25. Et j'ai ici le signe moins, donc c'est un nombre négatif. Et plus 48 sur moins 5, comment il est? Oui, il est négatif, puisque le numérateur et le dénominateur ont deux signes différents. Donc, ce nombre rationnel est négatif, et l'autre, il est aussi négatif. Donc, leur produit, il est comment? Évidemment, il est positif. Donc, je vais noter ici, positif. Passons au troisième exemple. Moins 7 sur 8 fois moins 12 sur 17 fois 6 sur moins 5. Moins 7 sur 8, il est comment? Oui, il est négatif. Et moins 12 sur 17. Oui, il est négatif. Donc leur produit, il est comment? Oui, il est positif. Donc ici, j'ai un nombre positif et je vais le calculer avec 6 sur moins 5. Il est aussi négatif. Donc, le produit, ça sera comment? Oui, le produit, finalement, sera négatif. Donc, je vais écrire ici, négatif. Je répète, moins 7 sur 8, négatif. Moins 12 sur 17, négatif. Leur produit est positif. Fois 6 sur moins 5, qui est négatif. Et le produit d'un nombre positif avec un nombre négatif est un nombre négatif. Maintenant, moins moins 4 sur 7, il est comment? Oui, il est positif. Moins avec moins donne plus. Donc ça, c'est un nombre positif. Moins 2 sur moins 3, il est comment? Oui, il est aussi positif. Et 11 sur 19. Oui, il est aussi positif. Donc ici, il s'agit ici de trois facteurs qui sont tous positifs. Donc leur produit, il est comment? Oui, leur produit est positif. Et c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeitoun, Marrakech. Au revoir.